Ben oui, c'est ça, j'ai dit. Bon, ouais. Garde, peux-tu me sortir le dossier des forgettes? Là? Je vais en avoir besoin pour la réunion. OK. Good. Ciao. Salut, salut. Salut. Ça va être aujourd'hui? Ben, Slack, c'est quoi tu penses que je fais, là? Ben, ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu vas passer la journée ici parce que je veux dormir, puis si t'es là, je pourrais pas. T'es-tu en train de me mettre dehors de chez nous, toi? Oh, François, j'ai passé la nuit debout à essayer de faire quelque chose qui a de l'allure avec une chanson plate à mort. Là, faut tout refaire à cause d'un crétin de chanteur qui est pas content. Là, faut que je dorme. Ça veut dire qu'il travaille encore cette nuit, ça? Mais oui, c'est ça le concept. Il faut tourner de nuit. Ah, mais Burr Slack, c'est plate, ça. Mm. Regarde, je suis un veuf du travail, moi. Oh, viens faire une sieste avec moi. Ouais, mais là, c'est parce que t'as pas dit que tu voulais dormir, là. Ça peut attendre un petit peu. Ah, oui. Non, regarde, c'est parce que j'aimerais bien ça, mais j'ai une réunion super importante pour un projet de condo de ski. Ah, mais tant pis. On se reprendra ce soir. Oh, ouais, c'est parce qu'à soir, je joue au hockey, moi. Ah. Ouais. Mais là, que ça donne de rester ensemble? On se voit moins souvent qu'avant. Ah, ben ça, chouette, c'est pas de ma faute à moi, OK? Ah. Bonne nuit. Le brosimien de Madagascar en cinq lettres. Tu dois connaître ça, toi, hein? Les murs. Ça marche! Ben, certain que ça marche. Mmh. Faut que je me dépêche, moi, si je veux pas manquer mon autobus. Oh, ça prendrait deux autos. Aller à Montréal avec les transports en commun, là, c'est mal commode sans bon. Jamais de la vie, on n'aura pas deux autos, certains. C'est tellement polluant. Puis, de toute façon, la question se pose même pas, grand-maman. On n'a pas les moyens. Bon, je pourrais m'en acheter une, moi, puis vous la prêter au besoin. Oublie ça, ça me fait même pas plaisir, puis je suis sérieux. Oui, allô? C'est moi. Oui? Oui? C'est quand? Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va? Ouais, ça n'a pas l'air. Pas de mauvaise nouvelle, au moins? Non. Bon. Non. Tu veux pas m'en parler, hein? Je comprends ça. Grand-maman, excuse-moi. C'est parce que j'arrive pas à réaliser ce que je viens d'entendre. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? À Saint-Hyacinthe. Je suis convoqué à l'entrevue. Pour le métier de vétérinaire? T'as refait une demande? Oui. Oh! Je voulais pas vous le dire pour pas qu'on soit encore tous déçus si... Mais, grand-maman, c'est la première fois que je me rends aussi loin. C'est la première fois que je fais l'entrevue. Ah! Ça veut dire, là, que mon dossier est fort. Enfin! Oh, ben t'as assez étudié, tu le mérites. Bravo! Oh! 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 Ça vient d'où, ces radios-là? De la clinique de Paul. Il m'a référé un cas. Ostéochondrite disséquente de l'humérus. Ah oui? Puis, tu veux faire ça matin? Tantôt, ouais. Ah ben, si tu veux, je peux essayer de repousser quelques rendez-vous pour t'assister. Oh, c'est très gentil, Louis, mais la place est déjà prise. Comment ça? Mais Paul vient faire la chirurgie avec moi. C'est son cas, après tout. Ah ben oui. Ben oui, bien sûr, ben oui. Comment ça marche, vous deux? Oh, ben, c'est pas encore nous deux, hein. Il est pas mal échaudé par sa séparation avec Glinda. Mmh. Mais il se déjeune tranquillement. Bon, ben, j'ai fini. Si tu veux commencer la chirurgie, tout de suite, je suis prête. Ah, ben, on va faire l'hystéro. Tu voulais pas commencer par l'orthopédie? Mais non! Paul est pas encore arrivé. Jaloux. Le travail compte pour 40% de la note finale. Vous avez deux semaines. Chaque jour de retard fait perdre 5 points. Juste deux semaines. Ça va d'allure, Marie. C'est tout le monde au bout de travaux en même temps. Mais oui, mais là, peu importe le temps que je vous donne, vous allez toujours trouver ça trop court. Là, ça vous oblige à le commencer tout de suite, pendant que mes explications sont encore fraîches dans votre esprit. Bonjour tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est vrai que c'est court, deux semaines. Mais là, deux semaines pour quelques pages de lecture, un peu de recherche, puis quatre pages de texte à écrire, c'est pas l'angoisse. Je le sais, mais Justine a raison. Tous les profs nous demandent un peu de lecture, un peu de recherche et quelques pages de texte, tous en même temps. Ben, je suis désolée pour Justine puis pour toi, là, mais je changerai rien. T'es bien de mauvais poil, t'es pas obligée de me sauter d'en face. Je te faisais juste une remarque. Bon, là, tu dépasses les limites. Quand on est à l'université, je suis ton professeur, pas ta coloc. Je parlerai jamais de même à un autre de tes profs. Et par de ça, je tenais toujours vous entendre vous plaindre que vous avez trop de travaux. Gordon, t'as toujours pas donné de nouvelles, à ce que je vois. Antoine Bélanger, mets-toi de ce qui te regarde. Pas de bonne humeur. Tu peux le dire. J'aurais jamais dû prendre son cours. Là, je suis obligé d'endurer une coloc qui a l'air bête, puis un prof bête comme ses deux pieds, parce que madame a des problèmes amoureux.
Elle n'a pas été bête comme ses pieds. Elle est juste un peu moins patiente que d'habitude. Ouais. Je devrais peut-être parler à Gordon. Moi, si j'étais toi, je me tiendrais tranquille. Maryse a raison pour une chose, ça te regarde pas vraiment ce qui se passe entre elle et Gordon. Ouais, t'as raison. Qui suis-je pour vouloir régler les problèmes amoureux des autres quand ma vie amoureuse à moi est loin d'être un succès, hein? Merci. La Switch est ta bitch, on dirait. Laisse faire. On a un peu de temps, on le commence-tu, ce fameux travail de psycho-là? Le local a l'air d'être pour un bout. Ouais. Vous pouvez déposer votre chien sur la table, M. Tétron. J'apprécierais que vous ne l'appeliez pas chien. M. Médor Gendron déteste cela. C'est tellement réducteur comme terme. Ben, c'est parce que c'est un chien, ça? Non, monsieur. Ah non? Non. C'est une entité canine zoothérapeutique. Une quoi? J'ai dit une entité canine zoothérapeutique. Le terme chien est tellement péjoratif. L'homme considère le chien comme son esclave, une bête domestiquée pour son seul plaisir, alors que c'est tellement, mais tellement autre chose. D'ailleurs, il existe une connotation négative universellement reconnue au terme chien, puisqu'on l'utilise comme insulte, généralement associée d'ailleurs à un qualificatif dégradant, tel que sale, par exemple. Et on dira très volontiers, maudit chien sale. Eh bien, aussi longtemps qu'on continuera à appeler ces organismes biologiques évolués des chiens, on continuera donc à les traiter comme des inférieurs. Oui, oui, oui. Voulez-vous, s'il vous plaît, déposer votre entité canine sur la table, monsieur? Très volontiers. Monsieur Gendron, par ici, je vous en prie. Il est vraiment trop gros, votre Médor Gendron, monsieur Tétro. Pourriez-vous parler un peu moins crûment, docteur Martineau? Excusez-moi. Il est vrai que monsieur Médor Gendron souffre d'une légère surcharge pondérale et qui correspond, selon moi, à son âge et à son degré d'activité. Oui, nous sommes l'un et l'autre de nature plutôt sédentaire. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, allez nous agiter dans un parc, ce n'est vraiment pas notre tasse de thé. Oui, mais il serait quand même important d'y voir, sinon il risque de développer des problèmes. D'ailleurs, je suggère un bilan de santé complet avec prise de sang et radiographie du thorax. J'aime pas beaucoup ce que j'entends à l'auscultation. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Gendron? Mais excusez-moi si je lui parle aussi fort, mais c'est que depuis quelques mois, il semble avoir perdu un peu de son acuité auditive. Il est sourd? Mais non, il n'est pas sourd, tout au plus légèrement carencé au niveau de la perception sonore. Mais il a fait plusieurs otites qui ont provoqué une calcification du tympan. Une calcification du tympan? Voilà. Ah bon? Et si vous êtes d'accord, M. Tétrou, je peux le garder, faire les tests, puis vous venez le chercher un petit peu plus tard. Vous le gardez dans quel genre d'endroit? Un chenil. Voulez-vous le visiter? S'il vous plaît. Parfait. Pourquoi vous l'avez appelé Médor Gendron? Les humains ont bien deux noms. Alors pourquoi pas les animaux? Et je ne pouvais tout de même pas l'appeler Médor Tétrou. Je n'ai aucun droit réel de propriété sur lui. Et figurez-vous que nous avons fait connaissance sur la rue Gendron. Il trottinait sur ses quatre pattes et moi sur mes deux pattes. Hé, fais-moi pas pleurer, là. Non. OK, à ce prix-là, j'y prends, mais je trouve quand même que t'exagères. Ben oui, c'est ça. Merci. Ben... Qu'est-ce que tu négociais, là? Juste des boutons. Salut! Allô! Oh, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas donné de tes nouvelles. Je sais, ça bouge beaucoup dans ma vie de ce temps-là. Ah oui? Mm-hmm. Qu'est-ce qui bouge tant que ça? Tout. Je voyage, je lis, je m'entraîne, je joue au golf. Toi aussi, ça a l'air d'être pas mal mouvementé. Veux-tu aller prendre un petit café? J'aimerais ça te parler. Oh, je peux pas laisser la boutique, je suis toute seule. Si t'es toute seule, on peut se parler ici. Ah, ben oui. J'ai su que tu avais eu une offre intéressante. Solange m'a appelé. Maman, t'as... Va m'asseoir. J'ai été très surpris, moi aussi, puis très content. Si nos relations pouvaient se normaliser un petit peu, ça nous ferait le plus grand bien tous les deux. Maman, t'as téléphoné. J'en reviens pas. Et je te dis, Cathy, vraiment, ce que j'accepte l'emploi chez Vaute? Mais d'après ce qu'elle m'a dit, elle a eu raison d'y tenir. C'est une chance qui se représentera pas deux fois. Tu peux pas laisser passer ça, Isabelle.
Comme ça, t'es mandaté par maman pour essayer de me convaincre. Elle n'a pas eu besoin de me mandater. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ah, wow! Pour une fois, vous entendez sur quelque chose. Mais vous allez être déçus tous les deux. Parce que j'ai décidé de rester à la boutique. Mais voyons donc pourquoi, c'est ridicule. Je te connais, ma grande. Si tu travaillais pas avec des gens que t'as peur de blesser, t'aurais déjà accepté. Il faut apprendre, en affaires, à laisser les amitiés de côté. T'es drôle de me dire ça, toi. T'as pas hésité à investir dans l'atelier, puis jusqu'à maintenant, t'as pas reçu grand dividende. Mais oui, mais là, c'est pas pareil, t'es ma fille. Ben, justement, j'agis selon les valeurs que tu m'as inculquées. Hein? J'ai commencé quelque chose, puis je vais aller jusqu'au bout. Penses-tu vraiment que j'aurais le temps de travailler dans l'atelier si je travaillais chez Volt? Je sais pas, seulement ta mère m'a laissé entendre que Gladys... Gladys peut dire ce qu'elle veut. Ce que je sais, moi, c'est qu'elle veut m'engager juste pour nuire à la boutique pas à l'atelier. Mais voyons, tu lui prêtes de bien mauvaises intentions. Je l'aime pas beaucoup, moi non plus, mais il me semble qu'elle est pas si pire que ça. Et puis, je veux pas te blesser, Isabelle, mais ton départ de la boutique et de l'atelier signifie pas forcément qu'ils vont sombrer dans la ruine. Je le sais, mais accepter l'offre de Gladys, c'est prendre parti avec elle contre Simon puis Jasmine, puis ça, il n'y en est pas question. Oh, ben d'accord, c'est clair. J'aurais bien aimé ça te convaincre, ne serait-ce que pour épater ta mère, mais tant pis. Je veux pas te faire de peine, mais avant que tu réussisses à épater maman... Ouais. Ça pouvait juste arrêter de me haïr un peu, ce serait déjà beaucoup. Parce que ça sent fort là-dedans, hein? Et comme je suis un parfait olfactant, je trouve cela un peu difficile. Ah ben c'est sûr que plusieurs entités canines et félines dans un même endroit, ça génère beaucoup de déchets métaboliques odoriférants. Hein? Monsieur Tétrault, laissez-moi vous présenter le docteur Maud Pelletier et le docteur Paul Blouin. Enchanté. 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 Faites plaisir. Monsieur Tétrault nous laisse son entité. Pardon? Je veux dire un pensionnaire pour aujourd'hui. Ah, on va en prendre soin. Mais j'en suis persuadé, mademoiselle. Alors, je suppose que vous allez me téléphoner quand vous en aurez terminé. Bien sûr, ma secrétaire a votre numéro de téléphone. Docteur Martineau, l'emploi de l'adjectif possessif « ma » pour désigner une personne qui travaille avec vous est absolument dépassé. Vous faites montre, en sacrifiant cet usage, d'un paternalisme rétrograde. La personne qui occupe le poste de secrétaire dans votre établissement ne vous appartient en aucune façon. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi, j'en suis certain, que cet usage est presque exclusivement réservé aux employés de sexe féminin, ce qui en fait une manifestation de sexisme d'un plus regrettable. On dit « ma secrétaire ». Mon assistante, ma technicienne aussi probablement, dans le cas de cette jeune personne que vous avez négligé de me présenter. Omission caractéristique d'ailleurs. Vous faites du classéisme, mon cher. Dans votre système aberrant, où la place qu'occupe un individu dans la hiérarchie détermine la valeur de cet individu, vous m'avez présenté les docteurs. Mais non pas la technicienne, non plus que cet autre jeune homme qui occupe probablement le poste de préposé au bien-être de vos pensionnaires. Il est infiniment regrettable de rencontrer autant de préjugés chez un homme comme vous. Ouais. N'est-ce pas? Hein? Tout à fait. Mais je m'excuse, je vais essayer de me corriger. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Je vous précède. C'est cela. C'est quoi ça? L'exemple parfait d'un obsédé de la rectitude politique. Pauvre Louis, c'est pas drôle d'être pogné avec un client comme ça. Ça fait changement des clients habituels. Bon, alors moi, je vais nettoyer la salle de ma chirurgienne. Mmh. Et on fait l'autre chirurgie. Parfait, chère technicienne multifonctionnelle, dont l'importance pour le bon fonctionnement de cette clinique est absolument essentielle. Oh, voilà. Le client de Louis serait fier de toi. Tu ne sombres pas dans le classéisme le plus désuet. Non, je ne suis pas classéiste, mais je suis sexiste, par exemple. Ah oui, mon assistant groupe tel cul! Mais c'est du harcèlement, ça, madame! Mais je suis témoin. Puis toi, mon préposé au bien-être des pensionnaires, ah oui, dans le chenil! C'est un scandale! Je suis outré! Ah! Tu comprends quelque chose, toi? Pas vraiment. Mais je pense qu'on a commencé à l'envers. J'ai l'impression qu'il va falloir aller faire un peu de recherche à la bibliothèque avant de penser rédiger quelque chose. En tout cas, moi, j'y vais pas maintenant, là. J'étais carré. Ah, moi aussi. Changement de sujet. Il y a de l'impro ce soir avec les finissants théâtre. Ça te tente-tu? Je peux pas jouer au hockey ce soir, moi. Non, c'est pas grave. Il y en a demain aussi. Je pense que Laurent joue. Tu sais, je te l'ai présenté chez Ariane. Le beau grand brun. Ben, tu t'en souviens certain.
Il a un charisme incroyable. En plus, il est écœurant en impro. Ça doit, ouais. Mais fais pas cet air-là, je le vois plus, Laurent. Quel air tu veux que je fasse? Je suis pas bon en impro, moi. Quand quelque chose me fait chier, ça paraît. Hey, si t'es trop jaloux pour qu'on puisse aller voir un de mes amis jouer au théâtre, tu fais dur en maudit. C'est parce que t'as une conception très large de l'amitié. Hey, j'ai pas envie qu'on s'engueule, OK? Moi, je rends pas de compte à personne, tu le sais. C'est avec toi que j'ai envie de passer la soirée. Excuse-moi, là. Ça doit être l'humeur de Marie, ce qui m'affecte. On ira demain à l'impro. OK. En attendant, pour ce soir, si vous manque toujours un défenseur, je peux y aller, si tu veux. Je patine pas mal. Je pourrais sûrement vous aider. T'es sérieux? Ça serait bien le fun. Mais je t'avertis, ça risque de brasser pas mal. Hein? On joue contre notre ancienne équipe. Ouais, inquiète-toi pas. Hein? Je vais travailler fort d'un coin. Tiens, tu manges avec moi? Je veux te parler du plan de match pour la game d'asseoir. On en discutera comme prévu chez vous, François, avant la game, OK? Non, parce que regarde, j'aimerais ça t'en parler avant. J'ai pensé à quelques changements qui pourraient nous aider à les écraser d'aplomb. Hey, je veux pas de bagarre. Moi non plus, j'en veux pas de bagarre. Ouais. Et moi, là, inquiète-toi pas, il n'aura pas. Si personne ne me cherche, j'ai pas de problème. Et s'il y en a un qui cherche le troupe, par exemple... Dion, je te rappelle qu'on s'est déjà fait disqualifier d'un tournoi. Je voudrais pas en plus qu'on se fasse barrer de la ligue. Puis oublie pas qu'il nous manque un joueur, fait que si tu prends trop de pénalités, on va perdre. Et non, on perdra pas, parce que j'ai un plan. C'est ça que je vais te parler. On veut user de stratégie, mon gars. Parce que nous autres, on a un avantage sur nos adversaires, est-ce qu'on les connaît bien? On les connaît très, très, très bien. T'sais. Oui, c'est tous d'excellents joueurs. Tu sais, moi, je le remonterai à jouer. Bon. Ah, je te parle pas de hockey, moi, je te parle de vie personnelle, tu sais. On sait un paquet d'affaires sur eux autres, faudrait pas que tout le monde sache. Comme la femme à Denis a déjà couché avec Yves Pondé. Hey, non, moi, je joue pas à ça, OK? Hey, comment, le Martineau, tout le monde a fait? Il y en est pas question! Vas-y, mon Pit. Une petite craque bien placée, là, c'est assez faire prendre un deux minutes à un joueur d'équipe adverse. Comme ça, moi, ben, j'ai pas besoin d'en prendre. Ben, il y a jamais rien qui t'oblige à en prendre, François. Ça, tu viens pas me dire ça. Hey! Salut, François! Comment ça va? Ça va bien. Good. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est déjà en train de se faire des mauvais plans pour la game d'asseoir. Bouillou, là! Un appel sur la deuxième réponse. Des mauvais plans? Non, il dit n'importe quoi. Ben non, tu me connais, là. C'est juste que je veux user de stratégie, tu sais. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis venu opérer un de mes cas avec Maude. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Paraît qu'elle opère pas mal, la Maude, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il paraît qu'elle. Ah, ben, c'est parfait. Elle a beaucoup de dextérité manuelle, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que Louis m'a dit, du moins de ce qu'il se rappelait, là. J'aime pas beaucoup ta façon de parler de Maude. Ah, c'est parce que ça, c'est ton problème à toi, ça. Ouais, mais ça peut devenir le tien si tu continues. Hey, wow, qu'est-ce qui vous prend, là? Vous allez quand même pas vous battre, toi, François, là! Quoi? Panique pas, je voulais juste y montrer que ça marche, ma stratégie psychologique. Galé, t'es prêt à se battre, t'es méchant! Deux minutes, bâton élevé, hey, laisse faire tes niaiseries, là. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? On a trouvé un bon joint pour asseoir. Fait qu'on n'aura pas besoin de ta psychologie de moron, OK? Excuse-moi, Louis. Tu diras bonjour à Maud, toi. C'est ça, oui. T'as su que maman avait vendu la maison? Oui. J'ai vu des photos de son condo, c'est beau. Tant mieux. Ça doit te faire quelque chose pareil, hein? Tu y tenais à la maison. Oui, c'est vrai. J'ai jamais compris pourquoi elle s'est entêtée à pas me la vendre. Elle pouvait pas supporter l'idée que tu vives là avec Marie. Oh non, je pense qu'elle voulait surtout m'empêcher d'avoir une chose à laquelle je tenais. J'ai demandé je sais pas combien de fois de me la vendre, il n'y en était pas question. Mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. En fait, ça me dérange plus, parce que c'est moi qui l'ai acheté la maison. Mais non. Ma mère a rencontré l'acheteur. Elle a signé les papiers avec lui. Ah oui, je sais, il s'appelle Charles Stewart. C'est moi qui l'avais engagé. C'est pour moi qu'il l'a acheté. Je te prends une ou deux carottes, OK? Prends le temps de t'asseoir. Sinon, tu vas te sentir mal tout l'après-midi. T'as raison. Oui. C'est quoi, ça? Croton végétarien. C'est bon? Certain que c'est bon. Marjo, faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai refait application en médecine vétérinaire. Ah oui? Oui. Puis tu me l'as pas dit? J'avais tellement dit que je le referais pas, là. Ben là, pourquoi tu me le dis? T'as été accepté! Non, je suis pas accepté, mais je suis convoqué à l'entrevue. Ah, t'es-tu sérieux? Mais c'est merveilleux! C'est extraordinaire!
Mais oui, mais t'es pas plus content que ça? Tu sautes pas de joie? Ouais, j'ai sauté de joie quand j'ai reçu le téléphone, mais là, je me suis calmée un petit peu. Là. C'est quand même juste l'entrevue, puis ça veut pas nécessairement dire que... Ah, écoute, écoute, c'est sûr que tu vas être accepté, hein? Ils ont pas de candidat plus sérieux que toi. Tu travailles dans une clinique, t'as des super bonnes notes en bio. Et à l'entrevue, là, tu vas tous les séduire. J'espère. Oh, je suis contente de toi. Encore du harcèlement? Hein? Décidément, c'est l'enfer. Travailler ici, les filles sont déchaînées. Pensez-vous que le docteur Constantin voudrait m'engager? Ah, oh, peut-être comme animalier. C'est possible qu'il y ait un poste qui se libère. Voilà. Tu t'en vas? Ben non, pas tout de suite, là, mais je suis convoqué à l'entrevue. Je vais peut-être être accepté en médecine vétérinaire. Ah, ben bravo! Ah! Merci. Oh, félicitations, bravo! Bravo. Je vois pas ce que j'ai fait si grave. Dans l'état actuel du marché, je lui ai rendu service. Elle a eu le prix qu'elle voulait et beaucoup plus rapidement qu'elle s'y attendait, j'en suis certain. OK. Laisse le marché immobilier, OK? Comment est-ce que tu penses qu'elle va réagir quand elle va apprendre ce que t'as fait? Toi qui espérais un rapprochement, là, tu peux continuer à espérer pour un maudit bon bout de temps. Une minute, là, Isabelle. Ça fait un an qu'on se parle uniquement par l'entremise de nos avocats, puis c'est pas parce que j'ai pas voulu faire autrement. J'avais perdu espoir de lui faire entendre raison. Et j'étais très surpris quand elle m'a appelé hier, mais là, la transaction était déjà faite. De toute façon, on ne me l'aurait pas vendu, la maison. Mais tu sais à quel point j'y tiens. Pourquoi je l'aurais laissé filer? Toi, t'es pas contente que la maison reste dans la famille. Je suis un petit peu moins attachée au bien matériel que toi. J'aurais préféré que vous soyez capable de vous parler, mais là, avec ce que t'as fait, là, c'est fini. Mais voyons, tu dramatises, Isabelle. Elle va être un petit peu insultée pendant quelques temps, puis elle va finir par entendre raison. Elle est loin d'être perdante dans cette affaire-là. Bon, mais si tu y as rendu un si grand service, pourquoi tu l'appelles pas pour lui annoncer la bonne nouvelle, hein? Mais moi, je veux plus jamais être pris entre vous deux, à connaître des choses que je devrais pas savoir. Je veux pas l'appeler avant qu'elle soit déménagée. J'ai pas envie d'être obligé de faire rénover l'intérieur de la maison au grand complet. Mais maudite merde, pourquoi tu me le dis à moi? Comment est-ce que tu penses que je vais me sentir là, face à elle? Je sais pas, je voulais juste pas te mentir à toi, ma grande, c'est tout. T'es assez raisonnable pour comprendre ça. De toute façon, ta mère déménage dans quelques jours. Alors dès que c'est fait, je lui dis. Je te jure. Je te dis des fois, là, je pense que je serais mieux si j'avais pas de famille. Je trouve ça le fun de te référer des cas. Surtout quand je peux venir les faire avec toi. La prochaine fois, je vais être capable de les faire moi-même, mes chirurgies d'épaule. Oh, mais si c'est pour m'enlever de l'ouvrage, je te laisserai plus m'assister. Ah, t'as pas à avoir peur. On n'est pas équipé pour l'orthopédie à la clinique. Et puis, pour le peu de cas qu'on aurait, ça vaudrait pas la peine. T'es pas sérieux tantôt, hein? C'est pas en te regardant faire une ou deux fois que je vais pouvoir me lancer dans des orthopédies compliquées. Non, mais t'es très habile. J'ai pensé m'inscrire aux ateliers que tu vas donner pour la formation continue. Non, mais t'es pas obligé de venir aux ateliers. Si ça t'intéresse, on peut s'arranger pour quelques cours privés. T'apprendrais beaucoup plus vite. Ouais, peut-être. Mais il va falloir que j'en parle à mon associé. Faudrait que je fasse libérer un peu de temps, là, mais... Ce serait le fun. Ça nous permettrait de se voir plus souvent. T'as le goût de me voir plus souvent. J'aimerais pas ça. Pas toi? Oui, oui, moi aussi. Mais je sais pas. Tu sais pas quoi? C'est pas encore réglé avec Linda. Je veux pas me lancer trop vite dans une autre histoire. Ça serait pas juste ni pour toi, ni pour moi. Je sais que je suis pas encore prêt. Mais je te demande rien. On est bien ensemble, c'est tout. Tu peux pas dire le contraire. On en profite, sans complications. Sans complications, ça se peut pas. Je suis pas compliquée, je te le jure. Tu te plains pas de harcèlement? J'y ai pas pensé. Il faudrait que tu recommences. Salut. Salut. Tu travailles? Ben oui, j'ai des travaux. Ah! As-tu besoin de ton ordinateur? Non. Est-ce que j'ai des messages? J'ai pas osé regarder, hein. Je me mêle de mes affaires. Écoutez, drôle. Pas de message. Moi, je suis certaine que t'avais regardé. Ben oui, ah. J'avais regardé. Puis je priais pour que t'aies un message de Gordon pour que t'arrêtes de plonger les sangs. Oui, mais pourquoi il appelle pas? Mais appelle-le, toi! Non, si tu penses, là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
J'ai osé y poser des questions sur ce qu'il avait l'intention de faire après la fin de son contrat ici. Mauvaise idée. Puis il a dit quoi? Qu'il s'en allait puis que ça allait être fini entre vous deux? Oh non, non, non. Il n'est pas capable d'être aussi clair. Il sait pas puis il veut pas qu'on en parle. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Il devrait comprendre ça, non? Oui, il comprend, mais il peut rien faire. Il a tellement peur de planifier quoi que ce soit. Il doit pas m'aimer. Non, non, mais qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, s'il m'aimait, là, il voudrait que ça continue après, non? Essayons de voir la chose de son point de vue. Il est pas chez eux. Il sait pas ce qu'il va faire après. Il veut peut-être pas faire des promesses qu'il pourra pas tenir. S'il trouve pas de contrat intéressant l'an prochain, ou si on lui offre un emploi dans un endroit où toi, tu peux pas travailler. Hein? Non, 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 non. Non, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est s'il a envie qu'on soit ensemble, hein? Plus en plus l'impression que c'est pas le cas. Au lieu de te faire des peurs puis de voir tout en noir, appelle les dons. Non. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'était à lui de m'appeler. Belle façon de régler un problème, hein? Réponds-là, si ça m'énerve. Oui, allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est pas Gordon. Allô? Hey, salut, ça va bien? Oui. Ah oui? Bon, enfin. Oui, 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 ça marche toujours. Oui. OK. Merci beaucoup, hein. Bye. Bon, ben au moins une bonne nouvelle. C'est Marcel. Il a retracé Renaud. Ah oui, où ça? Il y a des parents, imagine-toi donc. Il est chez papa et maman à Saint-Eustache. À Saint-Eustache? Ouais. Quel endroit poétique! Ah. Je vous jure qu'ils vont quand même avoir envie de jouer aux cartes. Parce qu'après une aussi bonne nouvelle, ils voudraient peut-être fêter ça. Bon, pensez-vous. Jean-René m'aurait prévenu s'il venait pas. Ah. Ouais. Ben, ça me donne une idée. On va s'organiser pour gagner le plus vite possible, puis on va aller au cinéma. Hey, comme ça, on va leur laisser la maison. Ils pourront célébrer s'ils veulent. Ah, ben, c'est une très, très bonne idée, mais il y a juste un petit problème. On n'est jamais sûr de gagner. Albertine, faites-moi confiance. Je connais quelques petits trucs qui vont beaucoup nous aider. On joue toujours aux 500. Oui. Ah. Mettons que je prends 8 cœurs, hein, et que je tiens mes cartes comme ceci. Combien de doigts vous voyez si vous regardez mes cartes? 5. C'est ça. Ça veut dire que j'ai 5 cartes d'atout. Les doigts de la main droite indiquent les cartes maîtresses. Ah. Maintenant, si je me frotte le sourcil comme ça... Vous voulez tricher, moi? Tricher? Non. Oh. Non, mais disons qu'on accélère notre victoire. Hein. Et puis, on n'est pas sûr de gagner. Hein. Ça dépend des cartes qu'on a. Et, disons qu'on met toutes les chances de notre bord. C'est pour la bonne cause. Ben voyons. Bon. Si je me frotte le sourcil comme ça, en signe de réflexion, là, non, 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 ça veut dire que j'ai le bar de l'atout. Si c'est le menton, c'est le bar... Théo, je retiendrai jamais tout ça. Bon, voyons donc, on a 2 heures pour tout organiser ça puis faire nos plans d'attaque. Oh, mon Dieu, quand je pense que je vais tricher aux cartes. Mais c'est excitant! Mais bon, il va falloir les laisser gagner une fois ou deux, hein, non, sinon ça va avoir l'air suspect. Bon. Si vous voulez avoir la main, hein, vous pianotez sur la table avec vos doigts comme ça. Et voilà. Votre médaille Jandon a un sérieux problème, M. Tétro. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention à son poids. Les analyses sanguines ne sont pas toutes terminées, là, mais je peux déjà vous dire que son foie ne va pas très bien. Il va falloir le mettre à la diète. Quelle horreur! Mettre à la diète un compagnon de vie? Vous voulez nous diminuer physiquement? Vous quoi? Non, 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 c'est pas pour vous, là. C'est pour lui. C'est pour son bien à lui. Il va être plus heureux et en meilleure santé avec quelques kilos en moins. Il n'en est pas question. Je ne l'ai jamais obligé à faire quoi que ce soit qui fût hors de sa volonté, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Non, M. Gendron a toujours mangé tout ce qu'il a voulu, et ça ne changera pas. Alors, votre nourriture diète... M. Tétrou, je vais essayer d'être clair. Si votre entité canine zoothérapeutique ne perd pas les quelques kilos supplémentaires responsables de sa surcharge pondérale, sa glande exocrine hépatique va souffrir d'un dysfonctionnement métabolique et votre monsieur Médard Gendron deviendra un non-vivant. Plaît-il? Votre chien est obèse. S'il ne maigrit pas, il va mourir. Je trouve que vous avez la bonté défectueuse aujourd'hui. N'est-ce pas, monsieur Gendron? Numéro de téléphone, mais j'appellerai pas. Ça serait faire bien trop plaisir. Je veux jamais qu'ils sachent que j'ai fait toutes ces démarches-là pour le retrouver. Le maudit.
Quand je pense qu'il se prélassait bien tranquillement entre papa et maman pendant que toi, t'es en train de te rendre folle avec ça. Pas drôle pareil d'imaginer Renaud avec des parents. Hein. Il a tellement l'air d'être tombé d'une autre planète, lui. Comme le petit prince. Oui, exactement comme le petit prince. Aussi pédant et moralisateur que lui, sûr de posséder la vérité suprême. C'est une chance que cet expiré est mort, sinon tu l'achèverais. Hein? En tout cas, merci. Ça te fait toujours bien un problème de régler, hein? C'est plate que tu puisses pas mettre la police après Gordon. Hein? T'imagines-tu? À vous! Qu'est-ce que tu comptes faire avec Maryse Lemieux? Oui, tu vas parler, chalot! Oh, quoi, Maryse? Mais quoi? Ça fait du bien, ça! Ben oui, veux-tu sortir le bottin téléphonique, t'as qu'à faire? Non, ça va aller. Ah, oh, n'empêche que ça serait le fun pareil, hein? Un petit peu de sérum de vérité, peut-être, là. Louis, il y aurait pas ça à la clinique du phénobarbital? Je peux toujours y demander. Mais toi, sais-tu ce que tu veux? Serais-tu prête à la suivre n'importe où? Je pensais que oui, mais moi, je suis même plus sûre qu'il m'aime. Alors, vous mettez ça au clair, hein? Peut-être que tu t'en fais trop. Dans le fond, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, non, pitié, pas le petit prince, hein? Et pourquoi on va pas au cinéma ce soir? Hein, Louis est au hockey, puis après la nouvelle que mon père m'a annoncée, il me semble que ça me ferait du bien de me changer d'idée. Je te remercie, mais j'ai déjà une invitation à souper. Avec qui? T'es bien curieuse. Mais oui, mais là, c'est pas Gordon, c'est pas Antoine, c'est pas Renaud, c'est qui? Marcel. Quoi? Marcel. Marie, je te dis que t'aimes ça, le troum. Mais pourquoi? Il m'a rendu service. Il sait que j'ai un chum. On va souper en ami, c'est tout. C'est ça. Va donc souper. Mais oublie pas qu'on est responsable pour toujours de ce que l'on apprivoise. Oh, non! Ah oui, mais des médecins, il en trouve partout. Des médecins, ça traîne partout. Tandis que des gros joueurs à l'aile gauche comme toi, il y en a pas d'autres. Comme, écoute, on peut pas se permettre de perdre pas à soir, Phil, OK? Ben oui. C'est ça. Yeah, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux choisir? Salut. Bon, Philippe vient pas, là. Mais non, tu sais, ça a l'air que l'hôpital, c'est plus important que là. OK, voyons donc. Ben oui, mais quoi, c'est malade. Ils vont encore être malades demain, tu sais, tandis que nous autres, c'est à soir ou jamais. Burslack, on va encore perdre, là. Ben, calme-toi, là. C'est pas dit qu'on va perdre. On est prêts. Moi, je suis en pleine forme. Ben oui, Ça t'a fait du bien, ta petite journée avec Maud? Maud? Hey, Paul, t'as-tu une nouvelle blonde? Non, j'ai pas de nouvelle blonde. Ah, ben, tant mieux, parce que ma bonne chum Sophie, elle vient de laisser son bon rond. Peut-être que tu pourrais te présenter. Hey, on peut-tu revenir aux choses sérieuses, s'il vous plaît, là? Ben, c'est vrai, on est dans la merde sans Philippe, come on. On a les trois à l'aile gauche, puis notre ligne de Philippe, c'est notre seule qui est forte. Merci pour les autres. Ouais. Ouais, mais les gars, come on, soyez objectifs. Regardez-vous un petit peu, là. Vous êtes bien trop petits, faites pas le poids. Regardons qui parle. Ben oui. Hey, wow, là. On n'est pas trop petits. On est simplement légèrement verticalement contrariés. Ben oui, c'est ça. On présente un léger déficit au niveau de l'élongation verticale de notre personne. C'est quoi ce niaiserie-là? Client que j'ai eu à la clinique. Lui, là, il n'y avait pas un chien. Il y avait une entité canine zoothérapeutique. Hein? Burr, slack, bud, t'aimerais-tu ça que je te parle de même? Hé, hey, mon chien, qu'est-ce que je suis en train de parler avec mon chien? Comme mon équipe de hockey dans la marde jusqu'au cou. Les gars, je veux pas la perdre, cette game-là, OK? C'est une question d'honneur. Moi, je veux qu'il se morde les doigts jusqu'au coude de m'avoir sacré en dehors d'équipe, cette gang de morons-là. Je veux un gros joueur à l'aile gauche. Je le veux tout de suite, Burslack. C'est pas compliqué, ça. Shit. Oui, salut. Salut. Salut, salut. Yes. Yes, mon gars. Mets ça là-dedans. T'es-tu capable de jouer à l'aile gauche? Ouais. Je m'appelle André. Pas grave. Ah, c'est un beau vide sans atout, ça. On a encore gagné. C'est décourageant. Ah, c'est l'expérience. Faites-en pas, Marjo. Malchanceux aux cartes, chanceux en amour. Hey, les perdants disent toujours ça, vous se consolez. Sept trèfles. Huit piques. Je passe. Huit piques? Oui. Vas-y, mon Jean-René, là, je sens que la chance a tourné. On va vous écraser. Ça m'étonnerait. Merci. Merci. Ah, ben, la belle surprise. Vous êtes venu admirer nos talents. Oui, ta soeur m'a téléphoné, on s'est dit qu'on viendrait vous encourager. Bonne idée, ça. Salut, Caro. Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Paul, je te présente Caroline, ma petite soeur. Ah, ben, salut. Ça fait plaisir. Moi aussi.
Hey, ça fait drôle de venir te voir jouer au hockey, toi. J'haïssais ça pour mourir quand papa me traînait dans les arénas tous les samedis après-midi. Arrête donc, t'arrêtais pas de poser, petit gars. Ça bien que je me désennuie. Garde-moi dans la gang de losers, toi. Ah. Les gars, vous allez regretter votre veste. Bon, ben, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop à le regretter, hein. Regarde notre fiche, victoire, deux défaites. C'est à peu près le contraire de vous autres, ça. Oui. Panique pas, mon gars, c'est temporaire. Ça. C'est juste vous mettre en confiance, vous écraser d'aplomb. Bon, on va aller s'asseoir, vous autres. Ouais. Mmh. C'est de revenir dans un seul morceau. Mmh. C'est tombe. Inquiète-toi pas, mon ami. Miaou, miaou, chaton. On n'a pas des griffes sans glace, ça patine mal. Hey, puis mon Yves, comment va la femme à Denis? T'as-tu des nouvelles? OK, 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 Dion, ça va. Salut. Hey, oh yes, Ah ben, vous avez une nouvelle joueuse? À voir comment votre équipe s'enligne, je suis bien content de plus prendre ma douche avec vous autres. Laisse-moi, François, c'est sur la glace qu'on va leur prouver ce qu'on veut. Voyons, il y a de borné, toi, voyons là. Galé, comique, tu n'as pas porté un sac, c'est pas parce que t'arrives à Antoine, t'es automatiquement borné. Puis Fif, franchement. Je trouve le qualificatif FIF très péjoratif. On devrait plutôt dire que ses préférences sexuelles se portent vers des personnes du même sexe que lui. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est une personne dont les désirs prennent pour objet un objet non conforme à la tendance générale de la population. Pour ça, t'es FIF, lui. Commence à avoir peur, mais il faut encore une autre levée, puis on perd, hein? Ben, même si on gagne, vous êtes tellement en avance qu'on n'a aucune chance de vous rattraper. Uh-huh. Ben, Claire, c'est tout ce que j'ai. Ah bien, c'est à moi. Ah-ha. Erreur, c'est à moi. Hey, comment ça se fait qu'il te reste encore du cœur? T'as pas fourni tantôt. Comment j'ai toujours fourni? Moi, c'est toi qu'on avait plus. C'est certain que j'en avais plus, tiens, c'est tout ce que j'ai. Voilà le travail! 400 points, puis vous avez encore perdu. Au moins, on vous a collé au derrière un bon bout de temps. Ça nous fait combien, Marjo? Ça nous fait 720, et c'est notre plus haut score. Ah, mais la prochaine, on la gagne. Qui est-ce qui brasse? Ouais, je joue plus. Vous êtes pas de taille. Ça me fendrait le cœur de vous infliger une autre défaite. Puis de toute façon, on avait décidé d'aller au cinéma. Oh, il serait l'heure qu'on parte. Oh là, oh! Vous allez au cinéma? Oui. Il passe, c'est à ton tour, le Rock Adieu au quartier latin. C'est le dernier soir, je voudrais pas manquer ça. Mmh, vous vous sauvez parce que vous avez peur de perdre. Mais pas du tout. Oh. On est imbattable. Mmh. Bon. Ben, vous prendrez votre revanche un autre soir. Puis moi aussi, hein, je tenais à le voir, ce film-là. Mais ben, rentrez pas trop tard, hein? Le couvre-feu est à 11 h. Oui, oui, papa, oui. Bonne soirée. Allez, on y va. Bonne soirée à vous autres aussi. Soyez sages. Oui. Pratiquez-vous. Oh, ils font un beau couple. Mais ils font surtout un beau couple de tricheurs. Je savais que ta grand-mère aimait gagner, mais pas à ce point-là, as-tu remarqué? Ben, difficile de faire autrement. Ça, ça voulait dire qu'il y avait le bord de la toux. Ça voulait dire qu'il y avait la blanche. Mmh. Puis ça, ça voulait dire? Facile. Passe-moi la main. Ben, c'est pas tout. Non? Mmh? Ben non, là. La maison à nous autres tout seuls. Ben, oui, puis on a un événement à fêter. Et puis, je sais même pas ce qu'on pourrait faire. Je pense que j'ai une proposition, moi. Bonne idée. Oh, je vous aime, docteur Bazin. Docteur. Oui. Bravo! Merci. C'est mon héros. Il était pas de tard. Non. Caroline est déjà partie? Oui, elle a demandé un livre à François, mais elle te faisait félicitations. C'est bizarre qu'elle soit venue ici. Oui, c'est ça. Pas bien été, gars? Salut, Louis. Salut. C'est une belle game, mais si. La prochaine fois, on vous donnera pas de chance. Ah, parce que tu nous as donné des chances, toi? Deux de nos meilleurs compteurs sont blessés, c'est pour ça que vous avez gagné. Gang de mauvais perdants, hein? Allez, prête-tu. Salut. Salut. Yes, mon homme. Puis, est-ce qu'il est venu te demander de refaire équipe avec lui? Non, il est venu me dire qu'on avait été chanceux des battre. Ah, ben, regardons ça. Tu viens-tu prendre une bière? Ah, non, non, je te remercie, je commence de bonne heure demain. Les autres sont pas là? Non, ils sont tous partis. Ah, oh, salut! J'ai tout manqué. Hein? Ah, je vais finir de travailler. Donc, vous avez gagné? Bien sûr, on les a massacrés. Félicitations! Merci. Isabelle et moi, on s'en va prendre une bière, ça te tente-tu de venir? Comme ça, si tu viens, tu vas peut-être convaincre Paul de ne pas aller se coucher trop tôt. Oh non, merci, moi aussi, il faut que je rentre tôt. Oh, c'est pas drôle d'être pépère. Je trouve le qualificatif pépère un peu péjoratif. Ouais, c'est vrai, ça, tu devrais plutôt dire. Non, attends, je le sais, je retire ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas pépère. Vous êtes des couchantos manquant de l'énergie nécessaire pour festoyer. Oh mon Dieu! Sérieux, c'est... Hey. Il y en a là-dedans, oui. Bye, là! Bonne soirée!
manger. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu viens de dire que tu voulais rentrer tôt. Ah, ben, j'ai jamais dit que je voulais rentrer toute seule. As-tu de la bière chez toi? J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Allez. Non, non, non. Veux-tu une bière? Oui, merci. Bonne. Ça a pas beaucoup changé ici, hein? Voyons donc, pourquoi vous avez changé? Ben, tu restes avec une fille, François. Habituellement, quand une fille s'installe dans un appart de gars, ça paraît. Ouais, non, toi, t'es chez nous ici. C'est encore mon appart. Pas de changement qui se fait sans mon accord. Merci. Non. C'est Isabelle qui t'a dit que je restais garde? Ben oui, on a un petit peu parlé de toi. Isabelle, elle t'a parlé de moi? Mm-hmm. Oublie ça, OK? Tout ce qu'elle t'a dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'elle veut dans la vie, cette fille-là, c'est me caler tout le temps. C'est toute démenterie. Oublie ça. Mais pourtant, elle m'a dit que t'avais beaucoup changé, que t'étais plus mature, plus stable. Isabelle a dit ça de moi? Mm-hmm. Pour moi, elle veut pas filer, elle. Tu veux-tu manger quelque chose? Toujours faim, moi, après le game? Non, non, merci. Je m'ennuie de toi, des fois, là, mais jamais de ta bouffe. Tu t'ennuies de moi? Ah, des fois, je pense à toi aussi, tu sais. Ça a mal fini, notre affaire, hein? Qu'est-ce que tu veux? On a eu du fun le temps que ça a duré. C'est vrai, puis c'est justement pour ça que je voulais te parler. Écoute, Caro, je comprends ça, moi, que t'as de la difficulté à trouver un gars qui m'arrive à cheville, tu sais. Normal. Mais, comme Isabelle t'a dit, tu sais, j'essaie d'être comme plus stable, moi, dans la vie. J'essaie d'être fidèle. Comme c'est dur d'aller contre sa nature, François. Gabrielle, elle est jalouse ou... Ben, comme toutes les filles, là. Avec un beau morceau comme moi, c'est un petit peu normal. Pauvre pitoune. Ouais, t'as pas changé tant que ça, finalement. Non. Écoute, j'aurais une proposition à te faire. Honnête? Bon, tout ce qu'il y a de plus honnête, j'aurais justement besoin d'un beau morceau comme toi. T'as besoin de... Non. M'accompagnerais-tu à mon bal des finissants? Moi aussi, finalement, je suis pas mal pépère. On dirait que la fatigue m'a tombé dessus tout d'un coup. Mais je comprends, tu t'es fait brasser pas mal. Ils sont presque tous plus gros que toi dans cette équipe-là. Ouais, 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 mais moi, attends un peu. Moi, je patine plus vite. Mmh, t'es vrai. Mmh, j'aime ça quand t'es dans les estrades, ça flatte mon côté macho. Toi, macho. Oui, madame, macho, puis sexiste, puis toutes sortes d'autres affaires laides qui fait des sangistes. Ça a l'air d'avoir été quelque chose, ce client-là. Mais, hein, il y avait l'air de fendre les cheveux en quatre, pas mal plus que Maryse. Oh, ça parlait de Maryse. Mmh. Tu sais pas avec qui elle soupe ce soir? Non. Marcel. Marcel? Mmh. Ben, tu vois bien qu'elle est folle. Il a niaisé pendant 2 ans, il disait qu'il était pour laisser sa femme, puis là, elle le revoit. Ben, il a trouvé Renaud. Hey, wow. C'est fin pareil, t'es super inquiète. Et ça va pas bien avec Garton. Ouais, ça va bien, ses affaires. Puis toi? Quoi, moi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, là? On dirait que tu files pas. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? T'as remarqué ça? Mm-hmm. C'est bien du prix, je suis ton chum. Quand ça va pas bien, je vais pas bien. Puis là, je sais pas ce que t'as, mais tu vas pas bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et mon père a acheté la maison sans qu'elle sache. Qui? Okay. Hey, mon Dieu. Caro, laisse-moi tranquille. François, réveille. C'est qui, qui te prend les cœurs? Il y a 1 heure, j'ai fini plus tôt que prévu. Non, pourquoi tu me réveilles, là? Mais on s'était dit qu'on se reprendrait ce soir. Non, écoute, gars, je suis fatigué, je suis vidé, la partie était effrayante. Là. Avez-vous gagné? Ouais, c'est sûr qu'on a gagné, les Atlantes. À cette heure, bonne nuit. C'est qui, Caro? Où ça? Ben, Caro, tu m'as appelé Caro quand je t'ai réveillé. Pas fait ça, moi? Non, c'est parce que ça devait être dans mon rêve, ça. Parce que il y a un gars dans l'équipe, tu sais, il part jamais à Puck, fait qu'on l'appelle Pascaro. OK, fait que laisse-moi dormir, là, je suis fatigué. Là. Bon, excuse-moi. Non, ça va bien t'excuser. Parle ça de moi, un bec. C'est quoi ça, ce bec de fif-là? Oui, donc, ici. Lundi à 15h, maritime 16h. 3 demi.